je suis un passionné de littérature, d'édition, d'écriture, de lecture. J'ai monté ma propre maison d'édition, L'Œil Ébloui, donc en 2013. Avec les éditions L'Œil Ébloui, je vais chercher moi-même les auteurs et les autrices que j'ai envie de publier. Donc je vais à la rencontre d'auteurs, d'autrices, de personnes, d'écrivains, d'écrivaines que je connais moins, dont j'aime les écrits, que des rencontres qui permettent de concrétiser des ouvrages ou des séries d'ouvrages que j'ai envie de faire avec elles et eux. Ça peut être aussi des rééditions, c'est-à-dire des ouvrages qui sont un petit peu tombés dans l'oubli et que j'ai envie de remettre en valeur, de remettre au goût du jour. J'aime l'écriture, j'aime le langage, donc c'est vrai que je vais chercher des ouvrages, alors ça peut être des fictions, ça peut être des romans, ça peut être des nouvelles, ça peut être des fragments littéraires, ça peut être des pensées, des aphorismes, c'est de la poésie aussi. Bref, tout ce qui tourne autour de la langue et qui permettent de créer ce que j'appelle moi des émotions. C'est-à-dire moi il faut que ça me touche, il faut que ça soit des choses sensibles, qui ramènent à ma propre histoire, qui me ramènent aussi à la connaissance qu'on peut avoir de soi et des autres.